Gênez-vous. Accueillir cette joie qu'il vous partageait, mais aussi demeurer dans cette joie. Nous savons qu'il y a les épreuves de la vie, parfois des épreuves personnelles, où il y a trop de luttes, parfois se met de la méfiance, de la trahison, mais il importe de demeurer dans cette joie, de la laisser habiter de plein. Ah bon? Bisogna sono Free TV. Free TV Caprice. Et à boss, Jérisso, Motema, Margela, Margela, Manuela, Awande, Banuse ya solo. Ba papa na ba mama tokende, kota la chaîne na bisoyo. Bisogna sono Free TV. Awande ba samo ya solo. Bisogna sono Free TV. Toto beleli, ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso, ya drobenzaou, melea, ba nyuse ya solo, ba mama ba papa ba ya ya ye. Bisogna sono ba congolais na ba congolaise na ba ivoirien. Bisogna sono fit. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Free TV des boss et gérissons Manuela. Kitoko, yoka propre, yoka image, yoka qualité, mais surtout, parole de M. Igbi Nafili. L'indignation sur la Free TV Caprice, on a abonné surtout, on a abonné surtout, à Watozali, dans le cimetière, ici, à Kanito, Kotika, Papa Nabiso, grand frère Nabiso. Donc, vieux Georges, le Vatican a donné des merveilles. Alors, bon, tu es dans le cimetière, la Zurich, la Forge. Thank you.
moi le papa. Ah, papa, mais monter ma passika qui n'engli yaya qui grand frère qui tous à l'aïka malheureusement la mouki tofandi lobi ah lobi n'a aucun des sous côté la grand frère lui osé repousser et heureusement toi est quand même deux jours avant au coup fatou solo lui bien à l'hôpital tous à l'aïka bien à sikisibi somingi la kansai d'ailleurs zone à l'hôpital deux trois jours après malheureusement zambé moukwa ebi qu'il repose en paix. Thank you.
De la tristesse, la parole de Dieu peut nous rejoindre et mettre en nous une lumière, une espérance. Nous écoutons d'abord le psaume 26. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. La bouche, il les enseignait. Il dit
disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ah, alléluia! Sommes ensemble pour dire au revoir à Georges. Il est sûr que cela fait un manque pour vous, la famille, les amis. Un départ, c'est toujours une séparation qui met de la tristesse dans le cœur. Donc il est bon de laisser couler ses larmes, de laisser les souvenirs revenir en vous. Ce qu'il y a eu de beau, de bon dans la vie de Georges, ce qu'il vous a donné. En même temps, dans l'Évangile, peut-être qu'il nous questionne. Quel est votre bonheur à vous qui êtes ici? Quelle est votre joie qui habite votre cœur? Quelle est la source où vous allez puiser des forces pour continuer à vivre, continuer à espérer? À Georges, lui faites un accueil généreux. J'invite maintenant le pasteur Joseph de l'église. Que le Seigneur notre Dieu soit béni, parce qu'il nous avait donné Papa Georges. Regarde à tout ce qui a été ici. J'espère que chacun de nous, comme l'homme de Dieu vient de le dire, cette disparition de notre bien-aimé crée en nous de l'espérance. Quand il a dit le passage biblique où Jésus dit heureux, 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 à la fin, tout ce passage biblique nous enseigne les jours, les villes où le Fils de l'homme reviendra. C'est pour autant aussi dire que nous ne savons ni l'heure, nous ne savons ni les jours ni l'heure où la mort nous rattrapera. Parce que tout un chacun de nous, nous retournerons, comme la Bible le dit. C'est pourquoi prenons des dispositions dès à présent, bien-aimés. Discernez le temps et saisissez l'amour que le Seigneur Jésus nous tend. Cet amour qui a été exprimé par son passage à la croix pour que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Chacun de nous doit préparer son éternité pendant ce temps que nous sommes encore sous le soleil. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, des circonstances pareilles, comme l'homme de Dieu vient de le dire, que cette disparition crée en nous de l'espérance. L'espérance de quoi? L'espérance de la vie éternelle. Paul disait aux Corinthiens que j'ai peur de revenir vous revoir parce que je ne sais pas dans quel état je vais vous trouver. Est-ce que je vous trouverai toujours dans le Seigneur? J'ai peur. Bien-aimé, la Bible déclare que quand Jésus-Christ reviendra, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Cherche à mourir en Christ. Pour que tu sois trouvé en Christ et que ton âme puisse avoir la puissance
d'aller rencontrer Jésus le jour de l'enlèvement. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ouvrez la porte et Jésus entre en vous. Ce que nous faisons là, ce n'est pas que des cérémonies, mais c'est aussi quelque chose pour que chacun de nous puisse avoir une pensée sur sa propre vie. Quelle sera ta vie dans l'éternité? Veillez, veillez, car vous ne savez ni l'heure ni les jours, car le retour du Fils de l'homme est proche. Que le Seigneur notre Dieu bénisse tout celui qui a écouté, tout celui qui est ici. C'est notre marque d'amour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Congo central, le 31 octobre 1948. Il est l'aîné d'une famille de 9 enfants, dont 4 filles et 5 garçons. Et dans les garçons, les 5 garçons, il n'y en a plus qu'un en vie et qui est présent parmi nous, Vincent. Qui est Vincent qui est ici? Georges Boudungulisili débuta ses études primaires en 1955 à la colonie scolaire de Boma, où il obtint son certificat d'études primaires. Il poursuit ses études secondaires à Kinshasa, puis à Mpanzangungo, toujours dans le Congo central. Après ses études secondaires, il enseigna les mathématiques à Mbanzangungu puis à Matadi. Et il était tellement brillant d'enseignant que nous, dans la famille et pas mal de ses amis, l'appelaient depuis lors Lens, de l'illustre physicien allemand Lens. Nous, on l'appelle toujours Grand Lens. Voilà. Il vient à Kinshasa quelques années plus tard pour poursuivre ses études à l'IBTP, Institut des bâtiments et des travaux publics, où il passa une année avant de s'envoler en Italie en 1977 pour poursuivre ses études à la Polytechnique de l'Université de Pise et de Turin. Et il vient en Suisse par après, où il est resté jusqu'à sa mort, quasi pendant 40 ans. Voilà. Juste un mot, comme le prêtre m'a demandé, un petit témoignage au nom de la famille. Il y a Georges, serait très ému de vous voir si nombreux pour lui rendre un dernier hommage. Au nom de toute la famille, au nom de son fils Valentin, de son frère Vincent présent, de ses neveux, Da, Jimmy, de nous, ses cousins, au nom de toute la famille, nous vous présentons notre très sincère gratitude. Ya Georges est parti après un long combat face à la maladie. Il a fait preuve de beaucoup de courage durant toutes les étapes de son traitement. Il est resté digne et fort malgré les diverses souffrances. C'est vrai, bien qu'il souhaitait en tout cas vaincre la maladie plus que tout, de notre côté, moi je crois personnellement qu'il s'est préparé à son départ. Et il profitait de chaque occasion, de chaque instant, pour nous transmettre à tous un brin de bonheur. Et ça, nous sommes venus de la Belgique, Vincent de l'Irlande, la semaine passée pour lui rendre visite à l'hôpital. Et pendant les 2 jours avant sa mort, il est mort lundi, et on est arrivé samedi et dimanche, on était chaque fois à l'hôpital avec lui. On était tellement heureux du
bonheur qu'il nous transmettait. Et pourtant, c'était lui le malade qu'on est venu voir. Et ça, c'était Ya Georges. Et vous êtes nombreux, j'imagine, ici, à pouvoir donner ce témoignage d'un homme qui était disponible, généreux, le cœur sur la main, d'une gentillesse incommensurable, quelqu'un franche et de disponible. Et malheureusement, ben voilà, aujourd'hui, il nous quitte. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer le vide immense qu'il nous procure. Jean et... Enfin, les deux jours qu'on a vécu ici, avec lui, le samedi et dimanche, il y a deux jours avant sa mort, moi, j'ai ressenti des moments uniques, si intenses et si magiques de retrouver ce frère que je ne vois pas souvent, que je ne voyais pas souvent malheureusement, et encore heureux que je l'ai vu quelques jours avant sa mort. Et j'en profite pour remercier toute la communauté ici présente, mais toute la communauté africaine de Zurich, parce que je dis encore à Ya Georges avant sa mort, je n'arrêtais pas de lui dire, mais j'avais peur que tu sois seul à Zurich, t'as pas de famille. En fait, à part son fils, il avait vous autres, et principalement, peut-être que j'avais en oublié certains autres, mais il y avait Jean-Jacques, la femme de Jean-Jacques, vieux Jean-Marie, vieux Tété, Willy, peut-être que j'en ai oublié, pardonnez-moi, mais il était bien entouré et vous l'avez très bien entouré. Merci encore. Et mes dernières pensées, mes pensées vont sûrement à ma tante, sa maman, la maman de Vincent, et aussi à Valentin, son fils et ses trois autres enfants. La résurrection et la vie. Donne à Georges de reposer en paix dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu le réveilleras, pour qu'il voie de ses yeux la lumière sans éclat, pour les siècles des siècles. Nous pouvons redire ensemble la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ta grâce soit sanctifiée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Christum Memo Mihi Sit.
De la résurrection, que notre frère Job repose dans la paix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes invités à venir recueillir devant la tombe de Job, et ensuite, vous allez vous rendre comme le jeune ami. Il y a Jean-Marie. Ouais. L'Ouba Bon. C'est pas... Et après ici, je crois que tout le monde devrait se rendre sur Becker-en-Lague, au parc Becker-en-Lague au quartier 4, là au parc de tram 8, ainsi que le bus 31, à côté de Helvetia Platz. Et en plus, on saute aussi ici à Awa, pour que vous puissiez dans le parc où on a Becker-en-Lague. En tout cas, merci pour nous avoir aidé à Awa, pour rendre un peu dernier hommage à pour nous faire un petit les Georges. Donc les amis, il y a qui passe ici, mais ils ont quand même joie que à qui a péma n'a pas beaucoup de n'engue de quoi a souffert quand même moi Mingi la maladie à Kinango, mais je crois que tout ce qu'il y a à travers photo na Essengo lumière et au à Kinango. C'est à ça pour moi avec une habit sur Nyon, c'est vraiment un peu fun. Oui.
Thank you.